L'histoire de l'Australie en mode décontracté. L'Australie, c'est un pays unique, posé en plein milieu de l'Océanie. Ce qui le rend tellement cool, ses paysages à couper le souffle, sa diversité culturelle et sa faune incroyable. L'histoire de l'Australie, c'est une sacrée aventure qui a débuté il y a des milliers d'années avec les aborigènes, les habitants originels du pays, présents depuis plus de 65 000 ans. Les premiers Européens à débarquer en Australie, c'était les Hollandais au XVIIe siècle. Mais c'est en 1770 que les choses ont vraiment commencé à bouger avec l'arrivée du capitaine James Cook et ses Anglais. Ni une ni deux, il a décidé de revendiquer la terre pour l'Empire britannique. La colonisation a débuté en 1788 avec les premiers colons, pas vraiment des vacanciers, des prisonniers déportés. Ils ont débarqué à Sydney et ont fondé la colonie de Nouvelle-Galles du Sud. Au cours des siècles suivants, de nouvelles colonies ont été créées un peu partout en Australie. Les colons britanniques, toujours très à l'aise avec l'exploration, se sont empressés de coloniser de vastes étendues du continent. La découverte d'or dans les années 1850 a attiré un max d'immigrants, ce qui a boosté la population et l'économie. En 1901, les colonies australiennes se sont fédérées pour former le Commonwealth d'Australie, un pays indépendant au sein de l'Empire britannique. Le XXe siècle a été marqué par l'essor de l'Australie en tant que nation prospère et démocratique, avec une économie solide et un niveau de vie élevé. Aujourd'hui, l'Australie est une démocratie stable et multiculturelle, avec une économie diversifiée et une qualité de vie qui fait rêver. L'histoire de l'Australie, c'est une histoire de diversité, de défis relevés et de réussite, qui continue de façonner l'identité et la culture unique du pays. Si t'as kiffé ce petit résumé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tes potes. Merci. Remarque, j'ai utilisé un style de langage familier et des expressions typiques du français informel. J'ai également ajouté quelques touches d'humour pour rendre le texte plus léger et amusant. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions sur la traduction ou si vous souhaitez que je traduise d'autres textes en français informel. Thank you.